Salut tout le monde, c'est Sosu l'Oiseau et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer ma collection de jeux de PS3. Alors là je viens de recommencer la vidéo parce que je sais pas ce qui s'est passé, là il y a un problème. Donc on commence par Résistance 3. Alors non, il n'y a pas de zoom. Résistance 3, le jeu je l'ai eu avec la PS3, ce jeu-là. Et donc c'est un peu un jeu de survie, genre comment dire. Un jeu de survie. Un jeu de survie dans lequel faut combattre des aliens et tout, machin truc. Et puis voilà quoi, il y a du démembrement et tout, donc c'est assez bien. Je vais essayer d'aller vite. Grand Turismo 5, ça m'a l'air d'être un bon jeu, mais je suis bloqué parce que je sais pas conduire dans ce jeu. Donc voilà. Après, on a Dirt 3. Alors, c'est un jeu très bien, très réaliste et tout, machin. Donc, j'ai terminé le jeu à moitié. Donc voilà. Après, on commence la partie Call of Duty. Alors Call of Duty Black Ops, dans la campagne il y a du démembrement, alors moi j'ai terminé la campagne. Sinon en multi c'est assez bien, même si c'est assez désert maintenant avec la sortie de Black Ops 2. Après vous avez Black Ops 2, enfin j'ai Black Ops 2. Alors je l'ai eu le lendemain de sa sortie. Là je suis prestige 1 mais j'ai pas beaucoup y joué au multi. Mais aussi je suis bloquée à la campagne, donc là. Si en fait je suis bloquée là où il faut pas se faire repérer par un hélico, donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Modern Warfare 2, alors celui-là je suis bloquée à la première mission, je comprends rien du tout. Enfin non, mais là je me fais buter. Enfin non, c'est pas ça, mais je comprends pas l'objectif en fait. Et puis en multi j'ai pas beaucoup avancé, je suis toujours prestige 0. Voilà, parce qu'il y a des lance-patates et tout, et ça j'aime pas trop ça. Et Call of Duty Modern Warfare 3, donc MW3, un jeu très cool, mais un peu rageant. J'ai terminé la campagne. Donc on se retrouve, je vais faire pause, et puis on se retrouve. Alors voilà, on se retrouve pour une autre partie. Enfin, pas une autre partie, mais voilà, j'ai fait une petite pause pour aller chercher mes autres jeux. Donc, dans ce groupe de jeux, on a Shun Snowboard, machin truc. Donc voilà, ça c'est le prix, 20 € machin, garantie un an. Un jeu très 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 pourri, c'est de la merde ce jeu. Voilà, c'est non réaliste, tu peux rien faire. Machin, donc c'est très 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 pourri, très limité. Après j'ai Tony Hawk's Red, alors un jeu très bien moi j'ai le skate, donc tu vois on peut skater, mais bon pas en vrai quand même. Donc voilà, c'est un super bon jeu quand même. On a Max Payne 3, donc j'ai pas beaucoup y joué celui-là, mais il est très bien, les slow motion et tout. Et mon chat, enfin ma chatte, elle s'incruste. Minette. Allez. Oui, voilà. Bon, allez. Sinon, on a. Désolé. Hein. On a Battleship. Alors, c'est un jeu de guerre. Voilà, aussi un peu futuriste. Alors, j'y ai joué, mais pas beaucoup. On a le jeu que j'adore, c'est Mortal Kombat. Alors ce jeu je l'adore tout simplement. J'ai pas terminé parce que c'est dur quand même. Mais bon. Alors les personnes en multi, elles sont très fortes, elles me font des combos, moi je comprends rien. Mais j'adore ce jeu. Rugby World Cup 2011, donc un jeu de rugby comme tous les jeux de rugby. Red Dead Redemption, un GTA 4, enfin Grand Theft Auto 4, enfin que vous connaissez sûrement hein, quand même. Sauf que là c'est en mode western et tout, c'est hyper réaliste, j'adore. J'ai terminé le jeu de rugby grâce à un code, hein, mais bon. Hein, c'est bien fait pour ça. Hein. Après t'as Fallout 3, alors un jeu assez indépendant.
D'ailleurs, je me rappelle, j'avais flippé à cause d'un monstre qui était apparu comme ça. Oh putain, ouais, j'ai cru que ça allait. Parce que là, il y a une grande tour. Hein. Alors, Sniper Elite V2, un jeu de sniper où tu peux transpercer crâne et tout. C'est bien. Par contre, ils ont mis du coup sur notre saison. Ouais. Donc, voilà, je trouve que Sniper Elite 2v2, c'est surtout. Aïe, oh putain! J'ai tapé sur un truc. C'est surtout pour, ouais, pour ceux qui aiment bien le sniper. Donc, on se retrouve pour le prochain. Voilà, alors, pour ce groupe, on a FIFA 12. Bon, rien à dire là-dessus. Hein. C'est un jeu comme tous les FIFA. Comme tous les jeux de foot, hein, un peu comme le rugby. Burnout Paradise, alors encore un jeu de course que là t'es libre. Alors il y a vraiment des crashs, vraiment c'est très réaliste et tout. Bah, vous irez voir des crashs, vous tapez Burnout Paradise, Paradise Crash. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, Burnout Paradise, c'est pour ces crashs. Donc. On a Saints Row 3, donc je cache le prix parce que. Voilà. Alors, Saints Row 3, c'est un jeu très fun. Alors, celui-là, il est d'occasion, le son il ne marche plus, donc il va plus être là. Donc là, on va le vendre, on va le jeter, j'en sais rien. Les Jeux Olympiques de Londres 2012, oui. Alors, j'aime bien les Jeux Olympiques, enfin, ça dépend pour quel enfin, sport, enfin voilà quoi, et épreuve. Ouais, ça, ouais, c'est un jeu assez réaliste, assez bien. Il est bien fait. Putain, là, il y a une grande tour. Ouais. Si je vous montre la tour, là, je vais tout casser. Sleeping Dogs, un jeu où vous contrôlez un chinois. Oui, vous êtes dans Hong Kong. Puis voilà, c'est un peu un jeu d'arts martiaux. Oh là 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 là, attends. Tout ça va. Et merde. Oh bah ça y est, hein. Ça s'est écroulé. Voilà. Et Battlefield 3. Alors, on va se retrouver pour le dernier groupe. Alors, pour cette dernière partie. On va faire des jeux qui sont en groupe, hein, donc par exemple les GTA 4 et tout. Bon, j'en avais fait une au début, c'était Call of, mais bon, on va dire que ça comptait pas. Alors, MotorStorm Apocalypse, enfin, je sais pas si vous connaissez MotorStorm, c'est un jeu de course. Là, c'est Apocalypse, donc en même temps que tu fais la course, il y a des trucs qui se passent, des ponts qui se détruisent, des tours qui s'effondrent, et enfin voilà. MotorStorm Pacific Rift, alors voilà, je l'ai eu pour mon anniv. Ben, un jeu de course comme les MotorStorm, sauf que les crashs sont très bien faits. Et le moins que j'aime, c'est MotorStorm. Alors celui-là, j'aime pas du tout, c'est nul. Voilà. UFS Undisputed 3, oh merde! Donc voilà, c'est un jeu bah, de UFS, c'est un peu catch mélangé avec de la boxe et tout. UFS Undisputed 2009, donc voilà, un peu pareil, hein, j'ai envie de dire. Assassin's Creed 3, alors c'est un jeu. Je suis pas fan des Assassin's Creed, mais celui-ci, je l'ai bien aimé. Assassin's Creed Révélation, après on va dire. Et merde. C'est pas beaucoup de jeux là, après va falloir que je range tout ça. Voilà. Ah, il y avait du zoom. Et puis, bah non, pas et puis. Grand Theft Auto Liberty City, hein, bah, j'adore les Grand Theft Auto. Et puis Grand Theft Auto 4 qui ne marche plus, un problème de données. Donc voilà.
Sinon, c'est sur cela qu'on va nous quitter. Ciao tout le monde!